J'ai 42 ans. Bientôt 43. Comme l'hiver 42. Ou l'hiver 43, par exemple. J'ai les gencives qui disparaissent. Je suis dans le 13e appartement. Le 13e appartement dans lequel j'aurais vécu. On entend un mec qui doit tondre la pelouse ou nettoyer un mur au Karcher, j'en sais rien. Quand j'avais 17 ans, je suis arrivé à Paris, au lycée, et j'ai entendu ce son de batterie pour la première fois. Joy Division. Heart and soul. Heart and soul. Combien de fois j'ai écouté ce disque dans les 13 appartements où j'ai vécu. Heart and soul. One will burn. Heart and soul. À la fac, plus tard, Bertrand m'a prêté un livre avec les paroles de Ian Curtis, le chanteur de Joy Division. Le drame de Ian Curtis, c'est pas tellement qu'il ait été malheureux, c'est normal. Ce qui est surprenant, ce qui est vraiment triste, c'est qu'il ait été entouré d'abrutis toute sa vie. C'est miraculeux qu'il ait pu faire quelque chose. C'est miraculeux d'arriver jamais à faire quoi que ce soit. On est tellement, tout le temps, entouré d'abrutis. Le livre que m'avait prêté Bertrand, c'était une édition italienne des paroles de Ian Curtis, avec d'un côté les paroles en anglais et de l'autre en italien. Du coup aussi, peut-être à cause des divisions de la joie, et aussi du suicide bien sûr. Depuis ce moment-là, Joy Division est associé pour moi à Primo Levi, Atrocity Exhibition, Heart and Soul, One Will Burn, Atrocity Exhibition, This is the way. Step inside, this is the way, step inside, this is the way. Moi, à bientôt 43 ans, sans bientôt plus de gencives. Peut-être que je vais perdre mes dents comme Welbeck sur les photos dans Rock and Folk. Quelle horreur la vieillesse. Quelle horreur la vieillesse. Peut-être que je vais perdre mon cerveau comme Lou Reed avec Metallica. Quelle horreur la vieillesse. Au moins, Ian Curtis n'a jamais perdu ses dents. Au moins, Ian Curtis n'a jamais fait de musique avec Metallica. 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heart and soul. Presque tout le monde a brûlé dans les divisions de la joie et dans les camps. Sauf Primo Levi et mon grand-père. Et Imre Kertész et Jean Améry. On peut avoir d'autres soucis que des dents qui vont partir. On peut avoir d'autres soucis comme des gens comme Ian Curtis ou Primo Levi ou des gens qui font leurs courses comme ça par hasard dans une épicerie. On peut avoir d'autres soucis. C'est pas tellement triste qu'il ait été triste, c'est tellement triste qu'il ait été entouré d'abrutis. C'est pas tellement triste qu'on soit tellement triste, c'est tellement triste qu'on soit entouré d'abrutis. On est tellement entouré. D'abrutis. On devrait supprimer tous les abrutis.
garderais Ian Curtis, Primo Levi, Imre Kertész. Et moi, par exemple. Puis Bertrand. Faudrait que je rende son livre.